Bonjour, je m'appelle Lina, je suis en classe de 4e au collège Sainte-Marie. Je me pose des questions sur mon avenir. Je vais rencontrer des jeunes et des entreprises pour parler de leur métier. Pourquoi as-tu choisi cette formation ? J'ai choisi cette formation parce que c'est quelque chose qui me passionne depuis toujours. Ça fait longtemps que je rêve de faire conducteur routière. J'ai choisi cette voie parce que je suis une personne dynamique et manuelle. Et le cursus ELEC me correspondait mieux dans le sens où il faut aussi réfléchir à trouver des solutions, notamment pour les maintenances, tout ça. Alors j'ai choisi cette voie en faisant une immersion ici et c'était la formation qui me plaisait le plus. Comment a réagi ton entourage quand tu leur as annoncé ? Alors mes proches n'ont pas été surpris parce qu'ils me connaissent bien. Mais après, mon entourage un peu plus éloigné ont été quand même surpris parce que c'est considéré comme un métier d'homme. Mon entourage a très bien réagi quand je leur ai annoncé que je voulais venir ici en chaudronnerie. Selon toi, quel est l'intérêt de l'alternance ? Pour moi, l'intérêt de l'alternance, c'est d'apprendre beaucoup quand nous sommes en entreprise et aussi au CFA. J'ai choisi l'alternance, comme ça pour moi ça me permettait de garder un pied dans le milieu du travail. J'apprenais la théorie à l'école et je pouvais pratiquer dans le monde du travail et je pouvais aussi garder une sûreté financière. Comment se sont passés tes premiers jours ? J'ai eu un temps d'adaptation de 3-4 jours et après ça s'est très bien passé. Est-ce que tu avais des appréhensions avant de commencer ta formation ? Oui, j'avais un peu d'appréhension parce que c'est quand même un milieu assez masculin. Mais au final, tout s'est bien passé, j'ai été super bien intégrée, que ce soit dans l'école ou en l'entreprise. Un peu en vrai, parce que quand on voit la formation, on voit qu'on court et puis même on se dit qu'il doit y avoir beaucoup de filles et du coup on n'a pas envie d'être rejeté ou que les gens ils aient une mauvaise vision de nous quoi. J'ai eu des appréhensions, j'ai eu peur d'être la seule fille et puis au final sur un groupe de 12 on est 4 donc c'était très rassurant le premier jour. Qu'est-ce que vous apporte Sélénée et les autres jeunes filles dans la formation ? Elle nous apporte un regard nouveau sur le métier. Ce sont souvent des filles qui ont un fort caractère, qui veulent découvrir le monde du transport et qui veulent passer leur permis et puis intégrer ce beau métier qui est conducteur routier. C'est-à-dire qu'elle va apporter déjà du dynamisme. Elle apporte également une approche métier qui est différente des jeunes garçons par une finesse, par une réflexion qui est autre que ce que peuvent apporter les garçons au sein de la formation, de le métier en général. Alors, les garçons apportent une certaine dynamique, apportent des échanges supplémentaires aux filles sur plein de thématiques. Il y a une émulation qui se crée du fait de leur présence. Alors aujourd'hui, on a un métier qui change très vite. On a des machines qui sont de plus en plus techniques. Il faut s'adapter rapidement. Et c'est vrai que les filles, aujourd'hui, elles ont une capacité à s'adapter aussi donc rapidement et elles ont des compétences complémentaires par rapport aux garçons qui sont en majorité dans nos formations. Donc elles ont un regard nouveau et qui est très intéressant. Que pensez-vous de la mixité au sein de vos effectifs ? Alors la mixité au sein des effectifs du lycée est une chose très importante. Nous sommes un lycée tourné vers les sciences et l'industrie où souvent ce sont des garçons qui font le choix de venir dans ces formations. Et le fait d'avoir des filles, ça permet de changer les points de vue, ça permet de donner des idées différentes dans la façon d'aborder les sujets traités, les projets réalisés par les élèves. Donc nous avons 30% de filles sur tout l'ensemble du lycée et on aimerait avoir plus de filles dans nos filières scientifiques et plus de garçons dans nos filières métiers de la mode et du vêtement. Que pensez-vous de la mixité dans les métiers du bâtiment ? Alors la mixité dans les métiers des bâtiments, elle devient de plus en plus reconnue. Puis également, surtout, elles apportent une autre chose que les garçons, c'est-à-dire voilà, elles vont apporter une créativité et puis une finesse que les hommes n'ont pas généralement au sein des différents métiers. Donc les demoiselles évoluent énormément également dans les métiers du bâtiment, c'est-à-dire qu'elles ne restent pas sur le chantier, c'est-à-dire qu'elles vont évoluer sur les fonctions support et également diriger les entreprises. Pourquoi est-ce plus accessible aujourd'hui aux femmes de devenir conductrices ? Alors les mentalités ont changé. Il y a 20 ans, on voyait aucune femme sur la route. Donc ça, c'est une première chose. C'est moins difficile aussi, il y a moins de manutention. Aujourd'hui, il y a des outils, des chariots, élévateurs électriques, donc qui permettent de manipuler des grosses palettes de 2 tonnes très facilement en appuyant juste sur un petit bouton. Chez Fif Cryo, accueillez-vous des filles et sur quel type de poste ? Alors oui, nous avons des filles, heureusement. Par contre, c'est vrai qu'on en a 20%
des effectifs, donc tu vois, c'est pas encore la majorité de nos effectifs, et on les retrouve alors sur différents métiers. Donc les métiers au niveau du commerce, on a des chefs de projet, on a des ingénieurs calcul, et puis en production, on commence à avoir de plus en plus de filles, hein, donc des métiers de soudeuse, on a une monteuse aussi. Alors déjà, je suis très content d'avoir des filles dans mes effectifs, parce que quelque part, une fille dans un groupe essentiellement masculin va dynamiser le groupe et va apporter un peu de zen attitude dans ce groupe. En plus, elle a un esprit de réflexion beaucoup plus posé que les garçons, ce qui nous permet de travailler beaucoup plus en sérénité et facilement. S'il y a une centaine de conductrices dans le groupe, alors c'est encore pas beaucoup parce qu'on a plus de 3000 conducteurs routiers, mais ça évolue et ça augmente tous les ans. Comment tu t'imagines dans quelques années ? Dans quelques années, je me vois toujours dans ce métier-là et m'ouvrir une entreprise à mon nom. Dans 2 ans, j'aimerais bien commencer mon BTS électrotechnique pour, je sais pas, pourquoi pas être chef d'équipe dans une maintenance, dans une usine. Eh ben, tout d'abord, je compte poursuivre vers des études costumières pour apprendre à faire des costumes pour les théâtres, les spectacles. Et dans quelques années, du coup, je me vois dans cette filière-là, plutôt dans un atelier. Et toi, Richard ? Moi, plus tard, je me vois avec mon entreprise, plus dans le design, dans la création, etc. Parce que depuis que je suis tout petit, c'est ce que je vais faire vraiment. Je m'imagine au volant de mon camion à rouler, traverser la France et voir du nouveau paysage tous les jours comme j'ai toujours rêvé. Quel message voudrais-tu faire passer aux jeunes filles qui voudraient se lancer dans cette voie ? Au début, j'avais beaucoup d'appréhension par rapport à ma taille, le fait que je sois toute petite, que je pèse pas très lourd. Et puis au final, aucun souci, les formateurs sont là pour nous. C'est sûr qu'on galère un petit peu plus que les garçons, mais au final, on trouve toujours une solution de facilité, on arrive toujours à faire d'une autre manière, mais on y arrivait, donc lancez-vous. Bah, premièrement, je dirais qu'il ne faut pas se fier aux a priori, que même si une classe majoritairement de filles, qu'il n'y a pas de problème, c'est qu'elles nous intègrent bien, il y a une bonne entente entre les élèves. Bah, qu'il faut dépasser les préjugés, qu'il ne faut pas hésiter à se lancer dans l'industrie, même si c'est considéré comme un milieu masculin. Les femmes, elles ont totalement leur place dans ce milieu-là et que ce n'est pas du tout un frein. Qu'il faudrait pas hésiter, que chaque métier est pour toute personne et qu'il faut essayer pour savoir ce qu'on veut faire. Est-ce une volonté de promouvoir la mixité au sein de votre établissement ? Oui, depuis quelques années, le pôle formation UMM Lorraine souhaite promouvoir l'embauche donc d'un personnel féminin au sein des entreprises. Et d'ailleurs, ça fonctionne très bien puisqu'elle s'intègre parfaitement au centre de formation également. Oui, on a une volonté de promouvoir la présence de filles au sein de nos formations parce qu'on sait que derrière, dans le cadre de l'insertion professionnelle, les industriels attendent que des filles puissent intégrer les entreprises et donc apporter, je dirais, un regard différent sur la façon de gérer toutes les tâches qui sont amenées. Bah écoute, c'est très important. Tu vois, on n'a pas beaucoup de filles. Chez nous, c'est important dans le milieu industriel d'avoir des femmes avec des hommes. Hein, il nous faut les deux. La mixité est importante puisque, tu vois, sur un poste de soudeur, par exemple, la femme va apporter une certaine dextérité, une minutie dans le travail. Un homme aura l'aspect plus physique. Donc, l'association des deux nous permet d'avoir des hauts niveaux de performance et de qualité pour nos produits. Merci beaucoup pour vos réponses.